Excusez-moi, je ne sais pas où on est où là. Et là, je suis sur Alamat Masri. Mais tu vois pas le livre? Non, je sais pas là, pardon. La suivante. Ah, d'accord. Vous ne voyez pas le livre? Non, je sais Non, pas. on ne voit pas Ou à le vous, livre. non. Voilà. Non, Vous on peut me voyez? regarder, on peut regarder ce que vous avez envoyé. Ah, vous me voyez, moi? Oui, chat. C'est bizarre, parce que j'avais mis le livre en partage. Démarrer le partage d'écran. Et là? Là, c'est bon, hein. Et c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Nam. Et là, on a Alamatul Arrafi. Je disais, imma takunu asliya. Soit elles sont de base. Al-asliya, et bima'an, kawniha dhamma. Nakhulu marfu'a bid dhamma. أو تكون فرعية والفرعية على ثلاثة أنواع أو على ثلاثة أضرب الضربة الأولى هي ضربة الواو والواو يكون نيابة أو علامة للرفع في جمع المذكر السالم مثل فرح المخلفون وكذلك في الأسماء الخمسة مثل حضر أبوك وبعدها تكون أيضا يكون يكون الألف نيابة عن الضمة أي من العلامات الفرعية في المثنى وهناك أيضا العلامة الفرعية الثالثة الأخيرة ثبوت النون في الأفعال الخمسة لأن هذه خلاصة ما قلنا في ما يسمى بعلامات الرفع فعلامات الرفع إذن هي على نوعين النوع الأول علامة أصلية وهي الضمة والنوع الثاني علامات فرعية وهي الواو والألف في المثنى وثبوت النون في الأفعال الخمسة تلك العلامات التي يتبناها الرفع في اللغة العربية de رفع que vous avez dans la langue arabe. Imma c'est Dhamma, imma c'est Alama Fra'iyya, et Alama Fra'iyya soit c'est le Waw, soit c'est le Alif, soit c'est ce bout du monde. Khalas, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est bon. Non, je... Les sœurs, salam alaikum, vous avez des questions? Alaikum salam, non, pas de questions. Ok. Alors, vous n'avez pas suivi, je disais au frère que je suis explosé, je suis fatigué, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi, je pense pas avoir dormi 4 heures, donc si je flanche, vous m'entendez plus parler, c'est que j'ai dormi. Okay. Ok. Si vous m'entendez plus, c'est que j'ai rendu les armes, parce que j'ai fait... Je suis rentré à 4h du matin samedi et j'ai pris le train de 7h53 à Gare de Lyon pour Lyon le dimanche pour un colloque là-bas et je suis rentré chez moi à 2h du matin hier parce que j'étais à la mosquée après Lyon et j'ai enseigné jusqu'à 1h40 je crois ou je sais plus de quelle heure, 1h. Je suis rentré, il était 2h du matin, et après il fallait de nouveau s'occuper des enfants le matin. Et rebelote. J'ai eu un rendez-vous à midi, donc j'ai pas dormi. Et si vous m'entendez plus, c'est que j'ai tout naturellement et tout humainement dormi. Je me suis endormi. Ok ? D'ailleurs, la voix, vous allez la sentir qu'elle n'est pas la voix habituelle. Maintenant, nous voyons Alamatu al-Rafa'i. Al-Nasbi. Donc, Al-Nasb, c'est le cas de Fatha qui se pose sur le mot. Alors, on a perdu le partage de notre écran là. Ouais. Là, je suis sur un livre de l'imam Ibn al-Qayyim, Alam al-Muqayna, Rabbil Alameen. C'est pas ce que nous voulons. Ilahi
gonna be. Alors, comment je fais pour partager? I'm one is a poor one is a tea in a C'est une scène où vous voyez un milliard de un labyrinthe, c'est ça? C'est ça. Ah, le labyrinthe, je l'ai arrêté. C'est bon? Non. Non. Oui. Un nasbou. Donc on a vu que Rafa là où à la arba wa alamat al-dhamma wal-waw wa alif al-ithnayn wa thubut an-nun là nous avons un nasbou alamat an-nasb les marques du nasb. Qala al-ajrum wa lin-nasb khams alamat الفتحة وكمان الألف والكسرة والياء وحذف النون. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5. وأقول il dit le commentateur يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من هذه العلامات الخمسة واحدة منها أصلية مثل ما رأينا وهي الفتحة كما أن الضمة هي الوحيدة الفرعية الأصلية في علامات الرفع وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة و الألف والكسرة والياء وحذف النون لا إلى جنب جدر الفتحة ومواضعها. Maintenant, on va les aborder. Ça va être plus simple étant donné que vous avez déjà vu ce que nous avons vu par rapport au dhamma. الفتحة ومواضعها. Où nous avons فتحة? On a vu pour dhamma que dhamma on l'avait dans الاسم المفرد والفعل المضارع. Nous avons également dans Jam'u al-taksir, les endroits dans lesquels on trouve dhamma. Amma, fa'amma, yaqulu, fa'amma al-fathatu, Ibn al-Ajurum, il dit, pour ce qui est de la fatha, fatakounu alamata al-nasbi fi thalathati mawadi'a. Ay, on trouve fatha dans trois situations. Fil ism al-mufradi, dans le nom qui est au singulier. Wa jam'u al-taksiri, dans le pluriel saint. Pardon, brisé. والفعل المضارع et le verbe qui est au présent. إذا دخل عليه ناصب. Si nous avons un ناصب, c'est-à-dire un élément qui rend منصوب un verbe. ولم يتصل بآخره شيء sans que à la fin il y ait quelque chose. مثلا si on dit أريد أن يذهبوا
Yadhabou, nous avons le waou. Donc, étant donné qu'il y a waou, eh bien, on ne va pas avoir le dhamma qui va le fatha qui va apparaître, mais ce sera bi thubut il noun. Par contre, ou antadhabi, ce sera bi thubut il noun. Je suis fatigué. Bi hadf il noun, la disparition du noun. Wa aqulu, il dit. تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة. La fatha peut être le signe du fait que le mot il est mansoub. في ثلاثة مواضع dans trois situations. الموضوع الأول, première situation, الاسم المفرد. C'est le nom qui est au singulier. الموضوع الثاني, deuxième situation, جمع التكسير, le nom qui au pluriel brisé ou interne. الموضوع excusez-moi, deux secondes. Allô? Oui? Wa alaykoum salam. Le téléphone, il est téléphone. Non, non, Wallah, il est. C'est Abdel Majid. Mais pourquoi tu m'appelles en numéro masqué, Ibn al-Halal? Là, je suis en cours sur Internet, frère. T'as besoin d'urgence? Allah yarda alayk. Ben, je te rappelle. Ok. Ok. Je t'embrasse, merci. Bisous. نعم إذن je disais الموضوع الثالث troisième situation الفعل المضارع c'est le verbe au présent الذي سبقه ناصب précédé de ناصب ناصب on va les voir c'est أن لان فاء السببية كاي etc on les verra ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. Nous, le Tawkid, on verra, c'est quand nous avons... On en a parlé déjà, je vous ai parlé de la Naswa Ambed Nasr, vous vous en souvenez ou pas? Ce qu'on appelle nous le Tawkid al-Thaqila ou al-Khafifa, la Tadkhulunna al-Masjid al-Haram, je vous avais donné des exemples, le Noun qui, d'insistance qui souvent marche en co-référence avec un élément comme Lam, Muzahlaqa ou quelque chose comme ça, enfin pas Muzahlaqa, Lam ou Al-Qasam ou Shaymin Had al-Qabid. Il y a bin Nasiya ou quoi. M'éteindrez deux secondes parce que il menace de s'éteindre. Je pensais que c'est moi qui m'éteindrais avant l'ordinateur et il semble vouloir s'éteindre avant moi. Je le branche. Ce sera plus simple comme ça. Bam. Alors, il dit wa aqulu, il dit. Voilà, nous, on verra, c'est nous de la féminité, comme quand on dit yadhabna ou kada, on appelle ça nous, niswa. Le nous marque de la féminité. Alors, il te dit, amal ism al-mufradi, pour ce qui est du nom singulier, faqad sabqa ta'rifuhu, nous en avons déjà parlé, on l'a déjà défini. Wal fathatu takunu zahiratan ala akhirihi fi nahwi. Comment vous analysez la qaytu? Donc, nous aurons, il sera à la zahira à la fin, comme dans aliyan, la qaytu aliyan. Et donc, analysez. Allez-y. Je ne vois pas la qaytu. Hein. Ah oui, d'accord. Masoud, tu es sur quelle planète? La planète Cor ou la planète France? Allez-y. Bismillah, je te vois alors, laqaytu Ali, j'ai rencontré Ali. Fil wa fa'il. Aywa. Laqay fil maad, mawla sukun, l'ittiswali bi ta' al-fa'il, wa ta' al-fa'il, damir mutasir, mawla ala dhamma, fi mahalli, rafin fa'il. Très bien, Aliyan. Mafoum li mansoub, alamat nasbih, patrabbara fi akhir al-kalma. Très bien. Wanahu, par autre exemple, qabaltu hindan. Alors un autre, adil.
Donc, je vais faire le Faril. Qabel. Je vais faire le Mazé. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun, oui. ليش هو مبني على السكون؟ لا ليش هو مبني على السكون؟ هو اللي مبني على السكون. هو اللي مبني على السكون عادل. بس كده فاعل. لاتصاله بتاء الفاعل. بس كده بقولك انتظر. لاتصاله بتاء الفاعل. Pas bita il fa'il, bita il fa'ili. Bita il fa'ili, fa'ili. Il fa'ili, il fa'il, il fa'il, le sujet. Al fa'il, ok. Et donc c'est... Wata'u. Tu courais le soldat Adil. Domine Moutassil. Wata'u, l'amir Moutassil. مبني على الضمة في محل رفع الفاعل. خبيا هندا. مفعول به. وعلامة نصبه. فتح الظاهرة في آخر الكلمة. خبيا خلاص. Donc là on a vu le cas de الاسم المفرد. On va voir le موضوع الثاني ce sera جمع التكسير. الموضوع الثالث ce sera الفعل المضارع. خلاص. On va finir au moins ça. Alors là, il dit « Wahindan »« Fa'aliyan wahindan »« Ali et Hind »« Isma'ani mufradani » sont deux noms mufrad qui sont au singulier. « Wahuma mansoubani » et les deux sont mansoub. « Et annahuma maf'oulani » parce que ce sont deux maf'oul. « Wa'alamatu nasbihima »« Al-fathatu al-zahira » C'est la fatha qui est apparent. والأول مذكر le premier il est مذكر il est masculin والثاني مؤنث et le deuxième il est مؤنث il est féminin وقد فتحة مقدرة la فتحة peut être مقدرة نحو comme لقيت الفتى allez-y الفتى عادل مفعول مفعول به بالفتحة مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة عن ظهورها استعمال محل بحركة أبدا التعذر من وصفة التعذر يا ابن الحلال لا اجوردي مسعودي لا با avec nous il est sur la planète Comore aujourd'hui. Non, c'est vrai, il y a le Alif qui est malade à la fin. Ben oui, je te rends le mahal bil harak al munasiba. Harak al munasiba, c'est si, ya al mutakallim yabna al halal. Naam. Idan laqitu al fata. Wa nahu haddathtu layla. Haddathtu. Fial wa fa'al aussi. Layla. مفعول أيوة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة بنى من دورها التعذر لأنه يعني طريق ألف آخر ألف très bien التعذر الأول مذكر والثاني vous explique اسمان مفردان منصوبان deux noms au singulier qui sont منصوب لكون كل منهما وقع مفعولا به بس كشتان دوء مفعول به وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف فتحة كي مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر والأول مذكر والثاني مؤنث بغي الفتى ليلى سينون دفي وأما جمع التكسيري فقد سبق تعريفه أيضا on a déjà parlé on a déjà donné la définition de جمع التكسير والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره. La fatha peut être apparente à la fin. Comme صاحبتُ الرجال. J'ai fréquenté ou j'ai accompagné les hommes. Allez-y, analysez. Abdul, rapidement. Maintenant, ça doit couler comme. Allez. Bah, صاحبتُ في
Firlun wa fa'ilun. Sahab. Firlu madi mabni ala sukun. Ali ta'i fa'ili. Ibtisalihi bita'i fa'ili. Fa'ili. Wa ta'u. وتاو دمير متصل مبني على الدم في محل رفع فاعل رجال مفعول به منصوب وعلامات النصب الفتحة الظاهرة في آخر الكلمة. Après, est-ce qu'on doit dire que c'est un jamr ou taksir? Non, on l'a déjà fait. Raïtul Hunouda, ça va nous rappeler du Biryani, tout ça. Raïtul Hunouda, je me suis occupé des Indiens. Hunoud, c'est le pluriel de Hind, c'est ça? Hind, naam. Hunoud, c'est le pluriel de Hindi, Hunoud. Donc, Raïtu fait le fa'il, Ra'il fait le mazi, Mabni ala sukun, l'itisalihi bi Bouta. Bouta il fa'ili. Wata zamir muftasil. في محل رفعي مبني على الضمة بجمع الضمة في محل رفعي فعل الحنود مفعول به منصوب مبني على وعلامة نسبي الفتحة ظاهرة في آخر الكلمة. الرجال والهنود جمعا تكسير منصوبان دو جمع تكسير كي سو منصوب لكونهما مفعولين باسكو لي دو سو مفعول وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة لا بروف كي سو منصوب سي الفتحة الظاهرة في آخر الكلمة والأول مذكر لو بروميير مذكر والثاني مؤنث. Il a peut-être aussi voulu dire le Hunoud, aussi le pluriel de Hind. Hind, Hunoud. Mais Hunoud aussi, c'est le pluriel de Hindi. Hindi, ou qui veut dire un Indien, Hunoud, un Indien. وقد تكون الفتحة مقدرة la fatha, même de jam' al-taksir, peut être مقدرة. Et à ce moment-là, c'est comme quand tu dis وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ. Allez-y. وَتَرَ. وا إسلاف؟ لا أبدا. وا وعطف. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. وا وعطف. ترى فعل ماضي. لا وليش فعل ماضي علاقة تاء من علامات الرفع يا ابن الحلال؟ وترى et tu vois الناس les hommes سكارى en effet. Parce que les verbes au voir, je ne connais pas vraiment la fonction. Tera, yara. Naam, wa tara. Wa tara, fi'l mudhari'. Donc, tara, fi'l mudhari'. Le fond. Voilà. Wa alamat rafi'ihi. Al-dhamma. Al-muqaddara. أنا من ظهورها تنظر أنه فعل متصل بالألف الآخر المعتل الآخر بالألف الألف
أيوة. أسا مفعول به منصوب. أيوة. وأين الفاعل يا ابن الحلال؟ الفاعل. الفاعل. أيوة. ضمير. ضمير مستتر. أيوة. جوازا. لا. وجوبا تقدره أنت. Ben oui, pourquoi tu veux que ce soit Joazan? Alors que tu sais très bien qu'on ne peut pas avoir le. Non, Anasa. Anasa, Nafon, lui est Mansoub. Mm-hmm. Voilà, maintenant, c'est lui, Afat Khabar, il a fait Akhir et Kalima. Mm-hmm. Soukara, c'est Sufa? Sufa, Nam, Sufa l'Innas, Nam. Ou ça peut être ce qu'on appelle maf'oul un thani, mais là il n'a pas choisi de bon exemple parce que c'est pas un maf'oul. Watara nasa sukara, on appelle ça même hal. Ou watara nasa hala takawnihim sukara, c'est un état comme un attribut, mais bon, c'est malish. On prend les, mais c'est pas bon, c'est il s'est trompé là. Naam, watara nasa sukara, idan sukara. Quoi que l'on soit, que vous le considériez comme hal ou comme pardon, comme hal ou comme maf'oul ou comme sifa, ala ayin, là vous avez sukara, dites sifa ou na'at mansoub, ala al-tasbih al-muqaddara, al-fatha al-muqaddara, التعذر لأنه اسم اسمه مثال الألف آخر بالألف الآخر بالألف أيوة. وقوله تعالى وأنكحوا الأيام والصالحون من عبادكم وينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم. إذا واو معليش بنكون سي با لو فيرسي سي با غراف ناس معليش انت انت هو فعل امر فعل امر ايوه مبني على على ضمة أيوة لاتصاله بواو الجمع بواو الفاعل بواو الفاعل طبعا بواو الفاعل بواو الجمع فاعل أيوة والألف فرق سي باغي كوم في المضارع إيه وي لو ألف إلي لا يسير على كيك شوز نو أيوة وفاعله وفعله ضمير مستتر وجوبا وجوبا تقديره انتم انتم اكسلون وانكحوا ماريفو ماريفو الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ماريفو avec les veuves parmi vos esclaves Donc là, les veuves, Mouche. Qu'est-ce que tu veux, pirate? Papa, il travaille. Tu veux quoi? Naam. Faddal, idan, al-ayama. Al-ayama, mafoul. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة تلا من ظهورها التعذر لأنه اسم منتل الآخر بالألف très bien alors là il vous dit فسكارى والأيام جمع تكسير منصوبان la même chose qu'ici là منصوبان سوف كلا لكونهما مفعولين مخصوص به مفعول وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر خلاص وزيمك وأما الفعل المضارع المذكور
فعل مضارع dont on a parlé, فنحو قوله تعالى, c'est comme quand Dieu dit, لن نبرح عليه عاكفين. إذن, فنبرح, فعل مضارع منصوب, بلن, وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خلاص؟ إذن, allez-y, لن نبرح, لن, حرف نفي ونسبي للاستقبال. للاستقبالي, très bien. نبرح, نبرح فعل مضارع منصوب وعلامات نصب الفتحة الظاهرة في آخر الكلمة, très bien. وفاعله, فاعله ضمير مستتر. نبرح مستتر وجوبا, يا أيوة, وجوبا تقديره نحن. Très bien. Est-ce que vous avez compris ce que Abdul a dit? Les filles. Ben, il a dit que c'était nahnu. J'ai pas bien compris le déterminant, enfin que ça cachait Abraham. Nahnu. Ben oui, parce qu'on a noun, noun, on a noun, ma sœur. Ok. L'na'koulou, l'na'koula, c'est nous. Cher, ça veut dire quoi, baraha, là? Nabraha, alayha, baraha, c'est resté, comment dire, comment, libre ou abandonner quelque chose. L'nabraha, hatta... par exemple nablu ghamajma al bahrain, c'est abandonner, camper une position ou lâcher, je veux dire, j'ai lâché l'affaire, comme disent les jeunes, donc on lâchera pas. D'accord. OK. Allons-y. Ensuite, elle est pas finie. Alayhi. Alay, c'est harf jar. Mhm. Ya la sukun. هي ضمير متصل مبني على الكسرة في محل جر بعلى très bien على عاكفين عاكفين مفعول به منصوب. No, on appelle ça hal. Ah, hal. Ah, ok. Non, parce que j'avais vu le in. Ouais, non, non, c'est bon. Le hal, il est toujours mansoub. Il est toujours. Bah, c'est. Et c'est quoi le hal exactement? Hal, c'est l'état. C'est comme on vous lâchera pas. On te laissera pas libre, par exemple. Donc, libre, on appelle ça. C'est un déter. C'est comme un. Comment dire, c'est comme un attribut, sauf qu'on l'appelle hal. D'accord. C'est une sorte de forme de sifat, c'est ça? Ouais. Non, oui, sauf que là, on... c'est toujours mansoub. D'accord, ok. Allez-y. Et dans le mansoub, ou alamat nasbi, ish? Al-Fatha? Ah, non. Non. جمع مذكر السالم, كمان إلي جمع مذكر السالم. نعم. لا, سي كوم سي ان اتا دو فتحة. منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم. سي لو يا لا كي. Exactement. Ah, d'accord. Ah, qui filme. Mansoub. Voilà. Ya. Niabatan. Anil Kasra. Jamou Muzakkaru Salim. Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est la même chose. Ensuite,
فنبرح فعل مضارع منصوب بلن. فعل منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خلاص. وقد تكون الفتحة مقدرة. الفتحة مقدرة. نحو يسرني أن تسعى إلى المجد. Il me plaît que tu ailles vers la réussite, la noblesse, la grandeur, le ce que vous voulez. Fasa'a mudari'un mansoub bi'an wa 'alamat nasbihi fatha muqaddar 'ala al-alif mana' min dhuhuri at-ta'azzur. Alors allez-y. Lan yasurruni, allez-y. Yasurruni, c'est Yasurru. Fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'i ad-damma. Nuni. Wan-nunu. Nunu al-wiqaya. Al-wiqaya, très bien. الياء متكلم ضمي وياء المتكلم c'est ça cher non وياء المتكلم ياء متكلم non وياء المتكلم فياء المتكلم ياء المتكلم ايوه le ياء de celui qui parle cher j'ai pas compris le ونون الوقاية j'ai pas compris pourquoi tu ne sais pas c'est quoi ونون الوقاية non oui on sait on l'a vu Mas'oud, il n'était pas là ce jour-là. Et il ne s'est pas mis au vu. Explique-lui, Abdul, ce que veut dire Noun el-Wiqaya. Noun, c'est juste pour la forme, c'est pour faire la pour pas confondre. Non. Pour faire la différence entre. Pour c'est lire. Pour la liaison. Noun se rencontre. Oui, voilà. On aurait eu Yasurri. Donc on appelle ça un noun euphonique. Comme en français on dit combien y a-t-il, le T vient de nulle part, la langue arabe a inventé le noun. Ah, d'accord. Donc on dit wa noun al-wiqaya. Wiqaya c'est un noun de protection, mais en fait c'est pour éviter un y a-t-il. Yasurrui. Voilà. Donc on dit wa noun al-wiqaya. وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل ايش في محل نصب في محل نصب مفعول في مفعول il me plaît à moi il me fait plaisir moi وفاعله ايش فاعله ضمير مستتر Alors là, vous allez être surpris parce que c'est pas ça. Ensuite, allez-y, Anne. Anne, on appelle ça harfu masdari wa nasbi. Harfu masdarin wa nasbi. Harfu masdar veut dire en français une conjonction de coordination. De coordination, de subordination. Ok. Masdarin wa nasbin. Nasbarin wa nasbin. Masdarin, masdar. Ah, masdar. Masdar. Masdar veut dire que le... Okay. C'est un subordonnant, c'est-à-dire qu'on va construire une phrase là-dessus. C'est l'équivalent. C'est un subordonnant. Et le an, quand il est devant un fi'l mudari', il impose au fatha, au. C'est comme l'an. C'est pour ça qu'on l'appelle harf masdar wa nasb. C'est l'équivalent de que. Yasurruni, il me fait, il me plaît. Antas'a, que, donc an, que tu ailles el majdi vers la noblesse, l'élévation, la grandeur, est-ce que vous pouvez. Cher, c'est le subjonctif. Non, non, non. Oui! Mais c'est pas vraiment un subjonctif dans le sens où, par exemple, je voudrais, ou je souhaite, ou je demande, que, après tu as que, il dit que, yaqulu,
par exemple, donc on va avoir an. Généralement, ce qui suit, c'est un subjonctif. Vous allez le comprendre pourquoi. Mais j'ai surtout voulu que vous compreniez une chose. C'est que ce qui va suivre là, c'est le sujet du verbe yasurruni. Ce qui me plaît, an tas'a ila al-majdi. C'est ça le sujet. An tas'a ila al-majdi, c'est le sujet de yasurruni. Qu'est-ce qui me plaît? An tas'a ila al-majdi. Ah, d'accord. Vous avez compris? Non, ils n'ont pas compris. Non. Ça veut dire le sujet, c'est une phrase entière? Ben oui. D'accord. Que tu réussisses me fait plaisir. Qu'est-ce qui fait me plaisir? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Que tu réussisses. Voilà. D'accord. Ben c'est la même chose ici. Yasurruni, il me plaît. Antasa ila al-majdi, que tu t'élèves vers, que tu marches, que tu tendes vers l'élévation, vers la grandeur, la noblesse, c'est ce que tu veux. Yasurruni me plaît. Donc le sujet de Yasurruni, c'est Antasa ila al-majdi. Maintenant, vous avez compris? D'accord. Si je résume, le an introduit toujours le sujet, c'est ça? Non. Non, 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 ça peut être un COD. D'accord. Okay. Je veux que tu viennes. Je veux quoi que tu viennes. Ce sera un COD. Okay, Anne introduit l'équivalent de que en français, c'est tout. Okay. Et ensuite, ce qui suit que, c'est une proposition dite subordonnée conjonctive. Donc, Tassa il al-Majdi, nous avons la proposition principale, Yasurruni. Ensuite, Tassa il al-Majdi, c'est une autre proposition. Tu vas vers l'élévation, la réussite, etc. Mais ce qui relie les deux, c'est quoi? C'est pour ça qu'on l'appelle subordonnant. Mm-hmm. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Allô, tout le monde a compris? Oui. Donc, an tas'a, donc an, harfu masdarin wa nasbin, tas'a, allez-y. Firlun mudari'un, masbun. Mansoubun bi an. Mansoubun bi an. Wa alamatu nasbi al fatha al muqaddara mana min zururiha. Min zururiha, oui. Biha at ta'azzur. Li annahu fi'lun mu'talu al akhiru bil alif. Très bien. إلى وفاعله إيش وفاعله دمير مستتر وجوبا دميره أنت. Très bien. Mais ça aurait pu aussi être وفاعله دمير مستتر جوازا تقديره هي أن تسعى هي إلى المجد. Ah oui. D'accord. خلاص. Non, mais ça, c'est les phrases que les gens ont du mal à comprendre dans notre communauté. Ensuite, Ila, c'est harfu jar. Mabni à la sukun. Et al-majdi, c'est ism-majrour. Ism-majrour. وعلامات جارية الكسرة الظاهرة في آخر الكلمة. Très bien. Et là, une fois que vous avez dit cela, on va résumer, on va faire maintenant une analyse de phrase. On dit أن تسعى إلى المجد. On dit المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل. Je répète, al-masdar al-mu'awwal bi-an wal-fi'l. Donc, là, c'est comme si je vous disais, la proposition subordonnée conjonctive constituée de an et du verbe, fi mahalli raf'i fa'ilun, c'est que ça se trouve à la place de fa'il, qui est, ici, sauf que c'est une proposition subordonnée conjonctive, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dhamma, mais
c'est à la place, ça ajoute le, ça remplit la fonction de Dhamma ici. Donc vous dites, je répète, ou al masdar al muawwal min an wal fi'l, donc an el fi'l tas'a fi mahalli raf'i fa'ilin. Voilà. Oui. Fatas'a, il explique, fatas'a فعل مضارع منصوب من منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ذورها التعذر وخلاص. On s'arrête là pour aujourd'hui et on se revoit demain inshallah. Mercredi ou demain, cher? C'est demain, non? Non, c'est mercredi. Ah, je pensais qu'on avait cours lundi, mardi, mercredi. Oula. Les trois jours, ça va faire beaucoup, cher. Ah. Moi, je suis là en tout cas. T'es tout seul à toi aussi. Bah, moi j'avais cru que c'était comme ça, mais bon, Marie. Moi, je suis chaud. Ok. Non, mais bon, c'est après, c'est comme vous voulez. Hein. Ok. As you want. Inch'Allah, merci beaucoup, cher. Allez, bonne soirée. Merci, cher. Salam alaikum. Alaikum salam.